Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, faut que je me coiffe. Je viens de me lever, il est 2h30. Enfin, je viens de me lever. Ça fait pas très longtemps. De ma sieste, que j'ai commencé à 9h quand même ce matin, 9h30. Non, 9h. Ouais, je suis montée à 9h. Enfin, 9h, 9h30, on va dire. Sauf que je me suis fait réveiller à 10h par les facteurs. Et j'ai été me coucher direct. Et là, je me lève à 2h. Il y a quelques petites cacahuètes. Donc, voilà. Pourtant, j'ai pas été me coucher trop tard hier. Oh, quoique, il était peut-être 2h quand même. Ouais, il était peut-être bien 2h quand même. Je ne sais plus. Donc, pour commencer, ben, on est enfin aux 5000 abonnés. Waouh, il était temps. Donc, merci. Voilà, tout simplement. Merci aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens d'être toujours là. Et patati et patata. Je suis vraiment contente. Donc, là, j'ai préparé le concours ce week-end. Alors, c'est pas le concours que je pensais vous faire, mais du coup, ben, ça sera pour... pour les 12 ans de la chaîne. En fait, je voulais aller chez DM vous chercher une routine complète de produits. Balea, que j'adore, hein, grâce que j'ai découvert grâce au calendrier. Et comme c'est un magasin allemand, vous ne pouvez pas vous les procurer en France. Ou du moins, pas facilement, je pense. Sauf ceux qui habitent peut-être à côté de la frontière. Donc du coup, je voulais vous faire un lot spécial Balea, entièrement, franchement, les soins de la tête aux pieds, quoi, vous voyez. Mais ça sera pour les 12 ans de la chaîne, je pense, parce que là, j'ai pas eu le temps d'y aller. C'est arrivé hyper vite, d'un coup, là. Je pensais pas que ça irait si vite pour qu'ils arrivent d'un coup, là, comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Je vais pas râler, hein. Au contraire, je ne râle pas. C'est juste que, bah, du coup, je décale un peu le lot. Et voilà. Donc merci pour ça. Je suis vraiment contente. Et c'est tout. On va épiloguer pendant 2h. Hein, voilà. Donc maintenant on roule pour les 6000, comme m'a dit une abonnée. Bon, s'il me faut autant de temps que pour les 5000, je serai peut-être plus sur YouTube d'ici là. Mais ouais, 5000, je trouve que c'est un beau chiffre. Et voilà. Donc ce week-end, bah, du coup vendredi, on a enfin eu, enfin j'ai enfin eu les 5000 abonnés. Samedi, je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. J'ai dû enlever mes ongles, puisque j'ai fait mes ongles vendredi, j'ai fait la vidéo, que vous avez déjà eu, hein, de toute façon. Et de nouveau, ils ont commencé à me gratter tout le tour de mon ongle. Celui-là est nouveau, tout jaune. Le tour de mon ongle ici, vous voyez, tout le tour, ah, attendez, je prends un doigt qui n'est pas jaune, ça a commencé à gonfler, à devenir tout rouge et à me gratter, et je ne sais pas pourquoi. Quand je fais les tests pour les trucs un par un, j'ai pas de réaction, et quand je fais mes ongles, ben là j'ai une réaction, alors je comprends pas. Maintenant, m'a demandé si je prenais toujours mes cachets pour la mycose. Et elle dit que c'est peut-être une réaction avec le médicament. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Voilà. Si jamais des PO passent par là, si vous pouvez me dire ce que ça peut être. Parce que c'est extrêmement chiant, quoi. Je ne peux pas faire mes ongles et les enlever le lendemain. Et puis, me gratter pendant 24 heures. Comme ça, ça m'énerve, que j'ai envie de faire maison, merde. Et voilà. Donc si, ouais, si une PO passe par là, dites-moi si ça peut être possible d'avoir une réaction à cause d'un médicament. Je sais qu'on peut déclencher une allergie plus tard, hein, des produits, donc. Mais bon, je vous dis, quand j'ai testé les produits un par un sur mes ongles, j'ai eu zéro réaction. Et là, quand je fais mes ongles, ben. Au bout de quelques heures, ça commence à me brûler, à me gratter, à gonfler, à devenir rouge. Je ne sais pas.
Là, je me prépare parce que j'ai la kiné tantôt. Mais ça m'énerve. Voilà, j'aimerais bien pouvoir faire mes ongles et les laisser, quoi. C'est extrêmement chiant. Et dimanche, j'ai dormi toute la journée. Alors, quand je vous dis toute la journée, c'est vraiment toute la journée. Je me suis pas levée beaucoup de la journée entre mes siestes. J'ai préparé les papiers pour le voyage scolaire de Sam au mois d'avril. Oui, parce que bon, vu qu'il va en Allemagne, il faut une autorisation de quitter le territoire. Donc ça, je passe jeudi à la commune pour aller le chercher. Mais il fallait remplir plein de formulaires. Il fallait que je demande la carte de la mutuelle. J'arrivais pas à me connecter à mon compte de la mutuelle. Enfin, c'était tout un bordel. J'ai passé une heure, je crois, juste pour faire la demande de la carte. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. Et pour finir, c'est bon, je l'ai commandé. Enfin, j'ai fait la demande de la carte, donc j'attends de la recevoir. Et j'ai précommandé Dragon's Dogma 2. Voilà, je voulais attendre la démo pour être sûr et tout, mais bon, je l'attends tellement, je regarde à chaque fois les vidéos qui en parlent et tout ça, et ça me donne de plus en plus envie, je suis de plus en plus impatiente, donc je me suis dit, bon, allez, hop, je l'achète quand même, même sans la démo, de toute façon, il n'y a pas de démo pour tous les jeux, on n'est pas sûr qu'il va y en avoir une ici, donc je me suis dit, allez, de toute façon, c'était prévu que je m'achète, Amy m'avait offert la carte cadeau pour l'acheter, donc voilà. ça y est, j'appuie sur enregistrer, il y a un chien qui veut rentrer. Donc il sort le 22 mars et j'ai vu sur le Play Store que c'était marqué qu'il allait être téléchargé à partir du 20 mars. Donc est-ce que du coup, vu que je l'ai précommandé, on aura un petit accès anticipé, je ne sais pas. Mais j'attends. J'attends deux autres jeux aussi, Flintlock, qui sort en été, je crois, et Visions of Mana, donc qui est celui que je vous ai présenté, c'est le prochain volet de celui que je vous ai présenté, la Trials of Mana, que j'ai adoré. Je suis arrivé au bout, là, ça y est. J'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai recommencé avec un autre perso. Ouais, voilà, voilà. J'ai pas encore fait la mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Faudrait peut-être que je le fasse. Pour voir un peu. Ah bah du coup ils sont repartis par là. Voilà, sinon j'ai rien de plus à vous dire. On repart sur pour moi une semaine de congé encore de Sam, donc c'est encore un peu le bordel. Mais la semaine d'après il reprend l'école, donc je vais pouvoir me réorganiser un peu plus aussi. Parce que là, j'avais dit qu'aujourd'hui, je ferai un live sur Twitch. Et du coup, vu que moi, j'ai dormi tout le temps que lui dormait aussi et qu'il s'est réveillé un peu avant moi, c'est trop tard. Hein. Donc, j'ai pas fait de live depuis quelques jours. Hein. Mais à partir de la semaine prochaine, je pourrais m'orienter, m'organiser un peu mieux pour tout ça. Et je serai toute seule à la maison. Youhou ! Bon, sauf jeudi. Jeudi, chérie, il a pris congé puisque j'ai rendez-vous chez le médecin conseil. Et... du coup, on va passer à la commune chercher le papier pour quitter le territoire de Sam. Et voilà. Il prend congé juste pour un rendez-vous, alors qu'au final, il peut se mettre en télétravail. Quoi. Il est un peu con-con, hein, monsieur, mais il n'aime pas être en télétravail. Pourtant, ça serait beaucoup plus facile. Et voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire pour ce lundi, j'allais dire lundi matin, mais non, il est presque 15h du matin. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai rien de prévu de spécial cette semaine. Oui, j'arrive, tu attends. J'étais en train de penser aussi, vu que je suis d'une patience d'ange, n'est-ce pas vu que j'attaque la repousse des cheveux gris, blanc, gris, je ne sais pas quelle couleur ils vont être vraiment, s'ils vont être blanc ou gris, j'étais en train de me dire que j'irais bien me renseigner chez la coiffeuse pour voir, pour faire directement la couleur sur, même si c'est un peu plus foncé, vous voyez, un peu plus gris cendré ou argenté, pour avoir une plus belle transition et tenir le coup en fait. Alors ça me fera un coup d'un coup, ça c'est clair, parce que c'est très cher.
Le coiffeur, c'est vraiment du luxe, mais j'ai pas été chez le coiffeur depuis au moins 10 ans. La dernière fois que j'y étais, c'est que j'ai pas payé vu que c'était pour faire un test pour un examen d'embauche pour une copine, donc je l'avais pas payé. Voilà. Mais ouais, je pense que. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, parce que je me connais, hein, je vais plus. Avec ma patience incroyable, je vais pas tenir le coup. Parce que si je refais un carré plus court et qu'elle me les décolore directement, parce que je pense que là, il faut décolorer. Oui, de toute façon, je pense pas, j'en suis sûre, il faut décolorer et reteinter un peu en gris argenté ou vraiment les faire blancs. Donc, vu que je les décolore jamais, ça va pas trop les abîmer, je pense. Et même si ça les abîme, au fur et à mesure de mes repousses, je recoupe. Et puis après, je peux les laisser repousser plus sainement, quoi. Donc je pense que je vais mettre un peu de côté pour ça, une fois que j'ai fini avec mon remplissage et la castration de Yuki. Faut que je vois quand est-ce que je peux prendre rendez-vous aussi. Bon, le remplissage, c'est que la semaine prochaine pour moi. Hein. Pour vous, c'est mardi. Enfin, pour vous, vous en foutez, mais voilà. Mardi, je vais faire le moulage et j'espère les récupérer le jour même et que je vais pas devoir attendre le lendemain. Mais chérie a quand même pris congé le lendemain au cas où je devrais aller les récupérer le lendemain matin pour pas rester 2 jours sans dents parce que là je viens de les coller donc c'est pour ça que je parle un peu bizarre. Il colle pas bien celui-là. Et vraiment tant que j'allais faire le remplissage, ils tiennent plus très bien. Donc voilà. Bref, allez, sur ce, ensuite le jour, je vais faire rentrer la grosse chiante pas parce qu'elle m'énerve déjà. Donc, il est 8h. Je viens de tourner ce make-up que vous aurez mercredi et je vais tourner le concours des 5K que vous aurez vendredi. Voilà, comme ça vous connaissez le planning de la semaine prochaine, puis ce que le dimanche. Et voilà. Alors, fin de semaine, on va se faire un petit test capillaire. C'est possible que je clôture le vlog samedi du coup. Je ne sais pas, je verrai. Comme je vous ai dit, je voulais aller voir chez la coiffeuse pour faire mes cheveux soit en blanc, soit en gris, pour éviter d'attendre le temps de repousse, parce que ben, j'ai une patience d'ange, hein, vous le savez très bien. Et du coup, je me suis dit, comme je vais devoir recouper mes cheveux de toute façon un petit peu, bon, je ne vais pas couper des masses, hein. Là, ils sont jusqu'ici, je pense que je vais couper, ouais, jusque-là, je pense. Je vais faire ça certainement tout à l'heure. Je vais le faire moi-même. Tout simplement, écoutez, je vais tenter. De toute façon, ça prend une moins grosse démarcation que là, qu'on voit déjà bien. Hein, voilà. Et comme j'ai les cheveux plus clairs à partir de... Ça dépend les mèches, en fait. J'ai des mèches plus claires un peu que d'autres, vu que j'avais des décolorations. Mais on va dire, ouais, c'est vraiment cette partie-là qui est le plus foncé. Avec encore un peu quelques mèches ici. Mais bon, si je coupe déjà quelques centimètres, je pense que c'est pas mal. Donc, j'ai trouvé sur Amazon un kit de décoloration plus une patine pour blanchir le blond qui risque d'être jaune hein, sur mes cheveux foncés et une colo grise. Puisque, de toute façon... Comme je vous l'ai dit, en étant ado, je voulais absolument... Bah même, il n'y a pas tellement longtemps que je voulais encore le faire. Je travaillais à la para. Et en face, il y avait une coiffeuse. Et la coiffeuse, je ne voulais pas me le faire, en fait. Sinon, j'aurais fait mes cheveux gris. Donc, ça date d'il y a... je ne bosse plus depuis 5 ans, je crois, à peu près. Donc, ça doit dater d'il y a 7 ans que je voulais le refaire encore, vous voyez. Donc, je me suis dit, bah, comme j'ai de très longtemps voulu le faire... C'est l'occasion de le faire avant d'avoir les cheveux blancs naturels, quoi. Vous voyez, blanc, gris. Mais je pense que mes cheveux sont plus blancs que gris. Même s'il y a de temps en temps un gris qui dépasse, ils sont plus blancs. Hein. J'ai plus les cheveux blancs que gris. Et voilà. Donc écoutez, on se fera ça dans la fin du vlog. Je verrai. Je les reçois jeudi. Je reçois tout jeudi. Donc je pense que je ferai la première étape déjà jeudi. Ou alors je fais les deux décolos à la suite jeudi et vendredi je fais la colo et je peux clôturer jeudi, je sais pas. Là je vais voir, je vais faire un bain de shampoing Head & Shoulders, comme ça je laisse poser jusqu'à ce que j'aille à la douche.
Je pense que je vais mettre un peu de bicarbonate dessous, dedans, pour bien dégorger le maximum. Il faut que je regarde si j'ai encore du shampoing décapant ou pas pour voilà, faire une petite tambouille sur la tête pour faire dégorger au maximum. Et voilà. Mais de toute façon, quitte à passer au blond, enfin au blond blanc gris, autant, enfin au blond blanc, autant faire le gris en même temps, vous voyez, comme ça. Je ne ferai pas jusqu'aux racines le gris, mais je ferai des petites hachures dedans, comme ça, quand ça repousse, ça fait un peu comme un genre de ombré gris et blanc, vous voyez? Ça fera pas trop une démarcation nette comme là on peut voir quand ça repousse quoi. Enfin bref, voilà, vous verrez bien. Bon, sur ce, je vais aller faire pipi avant de tourner le concours. Comme ça, je prépare tout. Et voilà. J'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Ça va pas être. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Il faut que je téléphone à l'ORL aussi à 9h pour voir les résultats du frottis de Sam pour ses oreilles. Il faut que je reporte le rendez-vous parce que chérie n'a pas pu avoir congé. Et je crois que c'est à peu près tout de trucs importants, quoi. Après, j'ai du montage à faire. Il faut que je tourne la vidéo pour la chaîne gaming. J'aimerais bien faire un petit live aussi parce que j'en ai pas fait depuis plusieurs jours. Mais il faut que j'attende que Georges se réveille. Enfin, je peux le faire que quand Georges n'est pas réveillé plutôt. Donc voilà, là je vais me refaire un petit café, préparé pour filmer le concours, tant que les chiens sont à peu près calmes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Elle vient de foutre le bordel, un hein, jusqu'à ce que j'ai fini d'enregistrer la vidéo quasi. Pourtant j'ai la porte fermée, hein, mais on l'entend quand même. Bref, allez, sur ce, bon, si j'ai quelque chose d'important à vous dire, je vous reprendrai, mais je pense pas. On peut switcher de jour. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, vu la vitesse où ils repoussent, j'ai vérifié, hein, ça faisait à peu près 4 mois que je les avais coupés. Bon, un tout petit peu plus long quand même, hein, ils m'arrivaient en dessous du menton. Là, c'est un peu court, j'avoue. Chérie, il y a eu la main un peu lourde. Parce que, mais bon, une fois que je les aurai lissés, ils arriveront à la hauteur, enfin à la longueur que j'avais coupée avant. Sauf qu'avant, bah, quand ils n'étaient pas lissés, ils remontaient. Mais je les laisse jamais pas lissés, en fait, c'est très rare. Là, c'est juste que je peux pas parce que demain, je fais la décolo, donc. Voilà, tout simplement. Il me reste un fond, mais vraiment un fond de shampoing décapant. Je me demande si je vais pas le refaire aujourd'hui. Comme ça, mes cheveux sont bien préparés pour demain. Ou je le fais demain avant de faire direct. Bah non, parce qu'il faut que mes cheveux soient secs. Ouais, je vais peut-être en refaire un aujourd'hui. Faire un bain vraiment pour bien les redécaper un coup. Et voilà. Bah écoutez, de toute façon, vous aurez l'étape 2, donc qui est la décolo et la patine. Je vous fais une vidéo pour vous demain. Pour vous, ça sera demain, hein, moi pas. Avec le processus complet, quoi. Hein. Vous voyez le résultat, mais vous voyez pas trop ce que je fais, ce que j'utilise et tout ça. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, hein, expérience capillaire pour la dernière, on y va à fond. Et je pense qu'après, mes cheveux pourront bien repousser naturellement. Et voilà. Comme ça, j'ai moins de longueur à recouper par après. Après, si le gris tient bien, je laisserai pousser. Et quand ils seront plus longs, je couperai au fur et à mesure le gris des pointes. Mais garder les pointes grises, par exemple. Quitte à le faire remonter une fois. On va faire une espèce de petit balayage dans les cheveux blancs. Je sais pas, je verrai bien. On va déjà voir ce que ça donne au final. Hein. Mais bon, demain, je devrais être bon déjà. J'espère que ça sera blanc. Après, le gris que j'ai acheté, c'est un qui couvre exprès si les cheveux sont encore un peu jaunes, s'ils ne sont pas totalement blancs. Donc ici, je devrais réussir à avoir du blanc. Là, je pense que ça devrait être possible. Si je fais ça en gris et enfin, je ferai tout en gris, hein, mais je ferai juste un espèce de balayage au-dessus pour que mes cheveux repoussent, mais que ça fasse pas une barre quand ça repousse. Donc on verra bien. Vous verrez ça dans la vidéo de demain. Bonnette. J'ai ma colle du dentier du bas qui est sortie un petit peu, mais c'est très 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 désagréable.
Là, je vais faire un petit live. Il faut que je tourne une vidéo gaming. Je vais commencer par le live avant que Georges ne se réveille. Parce que filmer la vidéo, ça, je sais faire, même si lui, il est connecté. Mais je ne sais pas faire de live s'il est connecté, puisque ça fait sauter sa connexion en haut et qu'il m'engueule. Et hier, j'ai téléchargé Horizon. Donc, je pense que je vais faire le live là-dessus. Voilà, parce que franchement, il est pas mal, la petite cinématique au début, très longue, mais très 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 belle histoire. Donc, il y en a bientôt un nouveau qui va sortir, mais là, il y en a deux qui sont tous les deux gratuits pour l'instant sur le PS Extra. Donc, voilà, mais bon, moi j'attends le 22 mars, hein, maintenant, je crois que vous commencez à le savoir, pour Dragon's Dogma 2. Je l'ai précommandé, donc voilà, il ne me reste plus qu'à attendre de pouvoir y jouer. Non. J'espère que les chiens vont être calmes pendant que je fais un live. Ça, c'est pas gagné parce que Riley est déjà déchaîné. Alors, j'ai été me coucher hier à 10h moins le quart. Et je me suis réveillée à 1h30. Et j'ai cru que c'était un 7 sur mon réveil. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Ben non, finalement non. Donc, j'ai été me recoucher à 3h30. Jusque Ryan m'a réveillée à 6h15. En venant gratter à la porte, finalement il s'est recouché à 1h avec moi et on s'est levé à 7h15. Donc voilà, ça va. Maintenant je vais essayer de tenir jusqu'à ce que ce soit l'heure de la sieste. Sieste quoi. Essayer d'aller me coucher après 11h. Pour essayer de récupérer mon rythme que je n'arrive pas. En ce moment je ne fais que dormir. Hier matin j'ai dormi toute la matinée. Je passe vraiment de phase à je ne dors pas à je dors tout le temps, je comprends pas. Donc voilà, bon, à mon avis je suis pas la seule, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi avec des passes de sommeil comme ça, une fois je dors pas, une fois je dors de trop. Parce que c'est extrêmement chiant. Bon après comme j'ai pas de vie, ça va, ça, c'est moins dérangeant, mais... Heureusement d'ailleurs, hein, parce que... Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, on peut switcher deux jours. La journée de demain sera plus intéressante. J'espère que je vais pas me foirer. J'espère que je n'ai pas les cheveux qui vont tomber. Mais bon, comme je vais éviter d'en mettre trop en racine, ce sera déjà pas mal. Ah, j'ai plus de batterie. Donc, c'est l'heure pour moi de la fermer. Allez, sur ce, on switch deux jours. Alors, il est 11h37 et voilà, je suis sortie de mon rendez-vous chez le médecin conseil. Là, chérie, à la commune pour le papier de Sam pour pouvoir quitter le territoire pour aller en Allemagne le mois prochain. Après, on doit passer à la poste chercher son recommandé. Il faut que je passe chez Action puisque j'ai eu un truc pour le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur qui me plaît bien. Et j'ai Auchan. Et après, je rentre. Je refais un shampoing des Capans. J'ai reçu mes décolos. Alors ce matin j'ai fait un bain, j'ai été voir sur internet et il disait que pour faire décolorer les cheveux, bien dégorger et tout, mettre de l'eau oxygénée, que l'eau oxygénée fonctionnait bien et le bicarbonate de soude. J'ai fait un bain avec les deux, ça n'a pas fait grand chose. Donc j'ai refaire un décapant pour être sûr d'enlever bien les crasses. Et aux actions j'ai vu... Je mets ma main devant la caméra, c'est pas très intelligent. Qui a du shampoing violet pour les cheveux blancs et les cheveux gris. Donc à partir de demain, c'est ce qu'il faudra que j'utilise. Donc j'allais voir si je le trouve. Et voilà. D'abord je rentre, je fais mon shampoing, je vais me prendre des sushis pour manger à midi. et après je dors parce que j'ai pas beaucoup dormi. René m'a réveillé en me gueulant dans les oreilles à 3h30 du matin. Et j'ai fait mon linge. J'ai décoincé un titi qui était pris dans le hamac, donc j'ai dû en recommander. J'en ai recommandé deux là sur AliExpress. Et ah oui, hier, je monte me coucher pour ma sieste. Je me mets assis sur le lit, mon téléphone qui sonne, c'était ma belle-sœur. Elle me dit tu fais quoi là? Ben, je viens de me foutre dans le lit pour ma sieste. Elle me dit ah dis, faut que je te pose une question. Est-ce que je peux te déranger 5 minutes? Alors, je dis ben vas-y, explique. On est au banc, j'ai le petit doit faire caca. Je dis bon, bah, je redescends.
Donc ils sont venus rapido parce que le petit devait faire caca et il ne savait pas se retenir. J'étais mort de rire. Le petit joue à la porte, il me dit, je vais faire caca. J'avais compris. J'étais mort de rire. Donc voilà. Je vous reprendrai tantôt pour vous montrer ce que j'aurais pris à ma belle-sœur pour son anif et est-ce que j'aurais pris direction, il me faut que deux trois trucs. J'espère que je vais trouver le shampoing et le cadeau, surtout, c'est ça. Le reste, c'est pas important. Il faut du dissolvant. Et je ne sais plus quoi d'autre. Et voilà. Donc, ouais, je vous reprends tantôt. Ah ben, blanchérie. Allez, à tout à l'heure. Connerie, étape 2, en cours. Alors, il est 6h20, déjà. Donc vous verrez vous le résultat demain sans la colo. Vous verrez le résultat de la décolo et de la patine. Vous voyez que ça prend bien quand même. Hein. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. On est passé chez Action. Alors j'ai pas trouvé le cadeau que je voulais pour ma belle-sœur, mais je vais trouver autre chose chez Auchan. Parce qu'on est passé chez Auchan juste après. Je vais trouver ça. Ah non. C'est un diffuseur de parfum comme ça, odeur bambou, avec une petite tête de Bouddha. Je trouvais ça très mignon. Voilà. Alors, chez Action, on a repris les friandises des chiens. Tout simplement. Mais ça, je crois que c'est 4 ou 5 euros. Attendez, hein, j'ai le ticket ici. Tu vas mettre une PR à 14 milliards sur un stuff qui en vaudra. Chérie, en fin de journée. Voilà. Et puis, si ça pète, eh ben, tu l'auras plus dans le Attendez, parce que je ne le pas. $3,99. Non. On a repris un tapis antidérapant comme ça, vous savez, les petites bubules là. Pour mettre dans la cage des titis en dessous de leur roue, parce que leur roue elle glisse. Donc c'est chiant. Et là, je pourrais le changer au fur et à mesure que je nettoie la cage. Donc c'est un. 1m25 sur 45 cm pour 1,58€. J'ai repris les couteaux, on les trouvait très beaux. Voilà, les petits couteaux, c'est en céramique, je pense. 20 milliards. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont très beaux. Il y en a 3 et il y a le petit truc protecteur avec. 7 de couteaux, 2,49€. On s'est pas ruiné. J'ai repris 3 paquets de mouilles. 37 centimes. J'ai pris des rasoirs pour le visage. Donc moi j'utilise pour raser en dessous de mes sourcils et un petit peu mon duvet. $0,65. Je me suis pris un dissolvant. Voilà pour quand je dois nettoyer. Mes ongles ou des choses comme ça, sans acétone, 99 centimes pour 250 ml, je me suis pas ruiné. J'ai réservé un DOB Umbro Power. Et 1,29€. Tu attends. Je me suis repris un flacon de multivitamines. Voilà, j'aime bien les petites vitamines de chez Action, elles sont vraiment pas chères et elles font leur job. £60, 1,99€. J'ai repris un baume chauffant pour ma nuque et mes épaules et tout ça, 2,39€. J'ai trouvé, je suis trop contente, j'ai cru que j'avais oublié d'enregistrer, le shampoing, donc ça j'en ai pris 2. Et l'après-shampoing pour les cheveux gris ou blanc. Voilà, puisque là avec la décolo, la couleur grise et après de toute façon mes cheveux naturels, ça ne sera pas perdu. 1,99€ le shampoing. Et je pense que c'est le même prix pour l'après-shampoing. Ouais, c'est ça. Et pour terminer, on a repris un panier pour les chichous. Tout simplement parce qu'ils les bouffent. Hein. Donc, voilà, c'est un bien grand. Ils vont être contents, on va pouvoir le remettre. Et il était à 5,95€. Voilà, et chérie a pris un arbre magique désodorisant en voiture en boîte à 2,89€. Mais il est déjà dans la voiture. Voilà, ben écoutez, ça commence à me chauffer le crâne. Je crois que
Ça commence à bien se voir. Donc là, il me reste 29 minutes de pause. Ensuite, j'irai faire mon shampoing et vous, vous verrez le résultat demain. Donc, je vous laisse pas attendre plus longtemps. Switch de jour. Alors, il est 8h20. Donc, voilà ce que ça donne jusqu'à maintenant. J'ai pas réussi à vraiment décolorer. Enfin, vous verrez ça demain. Les pointes, vous voyez. Enfin, ça fait encore plus orange que ce ne l'est en vrai. Hein. Ça n'est pas autant. Mais vous voyez que... la patine, elle a bien pris sur les racines. Franchement, ça aurait été que cette couleur-là. J'aurais laissé comme ça. Mais là, je vais faire la colo grise. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous, vous verrez ça demain. Et voilà, voilà. Donc, bah moi, j'ai plus qu'à vous donner le planning. Et on pourra clôturer. Parce que là, je vais aller nourrir les chiens. Je vais attaquer la colo. Comme ça, je rince sous la douche. Et je laisse sécher... à l'air libre, parce que là, le sèche-cheveux, ils aiment pas beaucoup. Hein, mes cheveux, ils sont tellement pas habitués qu'ils aiment pas du tout. Donc, comme ça, je laisse sécher naturellement. Je ferai un petit lissage et je ferai la clôture demain. Comme ça, je me fais une petite face sympa. et voilà. Donc, mardi, j'ai trop hâte. Je vais chez le dentiste, enfin, faire le remplissage. Il est temps, parce qu'ils tiennent vraiment plus mes dentiers, là. Cheveux gris plus dentiers. Mamie, c'est vraiment très vieille. Hein. Donc, bah, pour le planning, vous aurez la vidéo pour mes cheveux bonus demain. Toujours à 17h30. Hein. Une palette à make-up avec la Alien de Jeffree Star mercredi. Vendredi, le concours de 5000 abonnés, puisqu'on y est enfin. Et dimanche, le vlog. Et voilà. Comme ça... je vais pouvoir refilmer avec ma nouvelle tête. Je n'ai pas voulu filmer pour pas vous mettre... enfin, si, d'office, vous aurez... ah ouais, c'est con ce que je fais. Vous aurez les deux vidéos de mercredi et de vendredi avec les cheveux bruns. Bon. Bon. Donc voilà, j'attends 9h pour La Demoiselle et le Dragon, j'ai trop envie de voir ce film là sur Netflix, donc je vais regarder ça tant que ça pose. Moi, je vais filmer la pose de la colo, qui a un côté aussi déjaunissant, donc j'espère que ça prendra bien sur les mèches ici, on verra bien. Après, je pense que je ferai plus trop, sauf si c'est vraiment... une couleur affreuse, à ce moment-là, je referais peut-être un balayage marron. On va voir. Mais après, je fais plus de colo parce que... enfin, peut-être pas marron, j'ai encore du noir bleuté. Je ferai peut-être du noir bleuté plutôt. Ça ira mieux avec le gris. On verra bien, mais... je vais voir ce que ça donne à la fin de la colo. Là. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi, j'ai plus rien à vous dire pour cette semaine. La semaine prochaine, d'office, je ne vous prendrai pas le mardi parce que je n'aurai pas mes dents. Et peut-être le mercredi parce que je n'aurai pas récupéré. Donc, le prochain vlog sera assez court. Mais voilà, je ne vais pas vous prendre sans mes dents parce que alors là, ça fait vraiment, vraiment grand-mère. Et en plus, je parle, je zozote à mort. Et voilà, je voulais faire un live aujourd'hui. Je voulais tester de faire un live directement sur YouTube, sur la chaîne gaming. Mais comme il y a La Demoiselle et le Dragon qui sort, peut-être après, je ne sais pas. Je ne sais pas pour voir dans quel état je serai parce que je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée, je ne sais plus quelle heure. 3h, je crois. C'est Riley qui n'arrête plus de me réveiller en ce moment. Je me suis réveillée, non, je me suis réveillée à 3h parce que je devais pisser. Et je suis remontée me coucher, il m'a fallu du temps pour me rendormir, mais j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 7h. C'est déjà pas mal. Bref, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vendredi, il y a le concours des 5000 abonnés. Et voilà, donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.